C'est que frère, il leur manque quelque chose. Hein. Ouais. Il est. Ouais, frère, c'est ça. Hein. Ouais, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense aussi pareil, hein. Mais bon, tu connais quand tu joues contre des mecs au quartier là. Tout à l'heure, on a joué au foot, tout le monde veut. Tu vois? C'est tous des cracks. Quand tu les entends parler. Après, tu connais. Derrière la télé, tout le monde peut jouer aussi. Quand tu les mets sur le terrain, ils peuvent pas. Là, j'avoue, quand C'est tu facile. regardes sur le terrain, c'est pas pareil, c'est pas la même intensité. Bah, ouais, mec. Tu vas mettre qui après hein? Ah, je vais mettre des autres là. Je te rappelle après, mon pote. Vas-y. Vas-y. Voilà, comment on en est? Pose des questions sur. Ramène-nous la Coupe du Monde, frère. 2022. Inch'Allah. Vargas, c'est comment? Distel. Salam, frérot. Quel Walid? Je sais même pas où t'invites les gens, frère. Tellement je me connecte jamais, frère. Mais Sloub, il est même pas là, Walid, wesh. Quel Walid tu dis en plus? Walid, rentre dans le live, mec. C'est comment mon gars? De quoi? Ça dit quoi? Mais pourquoi t'es fou? Montre-moi le frère, s'il te plaît, aussi. Il peut venir? Yassine. Yassine, viens, wesh! Yassine, veut dire bonjour. Viens voir, Yassine, veut dire bonjour. Il est là, le beau gosse. Brahimi, viens, wesh! Les Algériens, ils veulent te voir. The Algerian people want to see you, bro. Il a des trucs à faire, il a des trucs à faire. Vas-y, laisse tomber. Ça va quoi, Walid? Et t'as vu, il y a qui Pikita, Pikita. Il est là, Pikita. Hélène, Pikita. Hélène, il est fou, frère, voilà. Assieds-toi. Salam alaikum, frère. Yassine Brahimi. Salam alaikum, salam. Quel joueur. Assieds-toi, on va parler football, mon gars. Arrête. Ouais, t'es sérieux, Yassine? Regarde, t'as fait ton live déjà, là? Ouais. Non, on l'a raté, Walid. Là, on l'a raté. Diwana. Ça s'est bien passé? Ouais. C'était bien. C'était bien, Walid. Il y avait combien? Il y avait 1 million de personnes? Non, 2 millions. Il y a beaucoup de questions ou pas? Ouais, de fou, ça a duré 1 heure et quelques, wesh. Plus sur l'Algérie ou plus sur City? Non, plus sur l'Algérie. Brahimi, wesh, les gens, ça commente, hein. Il est là, le... il est là, le boss. Il sait pas, t'es en direct. Bien sûr, il sait, wesh. Il croit c'est fast time. Il était content, Smile, ou quoi? Grave, il avait fait tout. Il croit c'est fast time. Ça fout quoi là? Il est quelle heure là-bas? 2 heures. Il y a 2 heures de plus que chez vous, non? Ouais, ça coupe, ça le Fajr là, quelle heure? Là, si on est en mode imam là. C'est le moment imam là. 3h30. C'est le moment rappel. Ouais, Brahimi, le ramadan, t'as fini. Il y a un mec qui a dit Brahimi, le ramadan, t'as fini. Pourquoi? Ouais, je sais pas pourquoi.
Walid, j'ai Il croit en avance ou quoi? Non, en gros, il veut dire il a maigri, genre. Non, Machallah, il a affûté, wesh. Sérieux? On essaie de garder la ligne. Ouais, c'est important. C'est Yanis. Il est au basket, non? Solo, il a dit c'est Yanis derrière. Ouais. Ouais. Il voit tout, lui. C'est notre cuistot. Mais il veut pas venir, je l'invite, il veut pas venir. Eh, hey, grosse dédicace à Solo. Eh, je bonne. Allez, suivre. Je bonne Paris, c'est important. Vas-y, très, très important. C'est tout pourri. Oh, non, je rigole, je rigole, je rigole. Solo, je rigole, la famille. J'attends mon survêt. Ah, il va pas te le donner maintenant. Si, il va me le donner, t'inquiète, wesh. Wesh, Majer. Il y a un mec qui a dit Wesh, Majer. Ouais, Billy. He's in the kitchen. Eh, hey, arrête, ça fait combien de temps que t'es en live là? Je peux te poser des questions, Yacine? Tu veux me poser quoi comme question? Sur le foot. Bah, assis-toi, Yacine. Depuis tant que t'es debout, on dirait. Déjà qu'il est pas grand. Regarde, déjà qu'il est pas grand. Mais parce qu'on mange dans pas longtemps. Comment tu t'occupes de tes journées un peu avec le corona, tout ça, là, comme il n'y a pas d'entraînement et tout? Non, franchement. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Allô, Porto. J'avais fait l'arme, il a dit allô, Porto. Hey, Jamel Belrami, j'ai une vidéo sur lui, c'est un tueur. Jamel, ouais, non, c'est vrai, comment tu t'occupes de tes journées? Tu fais quoi de tes journées? Aïssa, il est là, mais il fait trop exprès. Tu vois, tiens, non, franchement, mes journées, la vérité, les journées, franchement, elles passent très très vite ici. Hein, parce que on mange à 18h. Ça veut dire tu te lèves vers 10-11h. Bref, après, ouais, il y a des enfants, après, faut les occuper. Mais bon, franchement, alhamdoulilah, au moins, on peut se balader un petit peu, t'as vu, que ce soit dans le jardin ou que ce soit. Un petit peu, genre, tu sais, dans le complexe, tu vois, donc ça va. Et tu t'entraînes? Les journées, elles passent vite. Ouais, bah oui, il faut. On fait des tennis-ballons. On fait des tennis-ballons. Ouais, parfois, avec Walid, on fait des tennis-ballons. Non, mais toi, je sais que tu t'entraînes beaucoup. Tu t'entraînes beaucoup tout seul, toi. Non, normal. Non, normal, non. J'aime bien garder la forme. Il est soudain. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Voilà, c'est un bosseur. De fou, wesh. Il bosse. En décision, des fois, je suis posé dans la chambre. Il me dit, vas-y, moi, je vais en muscu. Voilà, il aime trop ça. En plus, il me motive. Il me dit, viens. Je suis en train de regarder un film. Il me dit, viens travailler. Ouais, parce que j'ai vu, t'avais pris des bras un peu, Walid, toi. Ouais, t'as vu, je suis devenu balèze. Hein. Eh, voilà que Walid, machallah. Riyad. Blague à part. Voilà qu'il a pris de ouf. Ça va? Voilà, il a pris. Je t'enverrai un snap tout à l'heure, torse nu. Il avait pris quelques kilos. Mais tu sais qu'au Waf, quand on était ensemble avec Walid, tous les jours il faisait de la muscu, il mettait ses gants style de Rocky. Tu vois, les gants. Les gants coupés là, style je vais pousser de la fonte. Il n'y avait pas un muscle qui brillait. Pas un. Rien. Ouais, et toi? Moi je poussais pas. Non, mais reste, blague à part. Il y en a qui ont besoin de faire. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de faire. Toi, t'as pas besoin de faire. Toi aussi, t'as pas besoin. Si non, mais si, moi, dans mon jeu et tout, t'as vu. Toi, c'est différent. Non, mais voilà que, frère. Non, il y a un minimum à faire. Machallah, la motivation, frère. Les gens, ils savent pas comment ça bosse. C'est sûr. Ils connaissent pas la face cachée. Ouais. Yacine, c'est un vrai bosseur, machallah. Non, voilà, c'est vrai, Yacine. Et voilà, j'en peux plus. Mais en fait, t'as appelé Walid, mais est-ce que tu sais qu'il va que rigoler? Mais le but, c'est de rigoler, non? Deux. Tu veux poser des questions sérieuses ou tu veux rigoler? Non, je te pose des questions sérieuses, là, on parle sérieux. Il y a des gens, ils regardent, frère. Il y a 26 000 personnes qui regardent. 26 000 personnes? Ouais. Ah, machin, non. Ils attendent le Fajr. On va attendre ailleurs. Et toi, tu fais quoi, regarde, pendant tes journées? Moi, tu connais, j'attends le Fajr, je prie, je dors jusqu'à 14h. Je me lève, je vois ce qu'il va faire, je vais acheter des trucs à manger, tout ça. Après, je cours, je joue un peu au foot, je fais des slalom, frappe, ouh, jonglerie, dans mon jardin, mec. Ah, à la maison. Ouais. Et tu mets un goal ou quoi? Non, j'ai pas besoin de goal. C'est pour ça, je cherche sur les côtés. Tu vises les poteaux comme quand on était jeune. Le mec, il a dit Ben Mendy, ça va bien depuis Adama Traoré t'a poussé. T'es pas Ben, il est là, Ben. Ben, il est là, il dit Riyad, t'es où? Ouais, il est là. Il organise. Nordine.
Il organise des tarawih sauvages avec Ben. Et vous avez des news un petit peu là sur comment ça va se passer là dans les jours à venir ou pas? Non, même pas, on attend là pour l'instant. Bien. Ouais. Ben, je suis chez moi, mec. Ben aussi, hein, ça bosse. Je vois tes snaps, Ben. Tes Instagram, ça bosse de fou. Machallah, frère. Ben, il a changé, il donne plus de nouvelles. Mais Ben, comment il bosse maintenant? C'est grave, quoi. Il est... C'est bien, c'est bien. Il fait grave des exercices, tout ça. Ça va être une année importante, hein. Ah, frère. Vous, ça reprend quand, là, Yacine? Non, c'est pas encore. Là, normalement, Inch'Allah, le 14, il donne une réponse, je pense. Donc, on va voir. Yacine, normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien, normalement, on devrait reprendre. Hein. Yacine, normalement, tu devais venir à l'OM. Là, tu seras en Ligue des Champions. Ah, c'est le mec tout, hein. Eh ouais, c'est les choix de vie. Eh, tu sais, je disais quoi dans le live? Dommage, t'as pas vu. Parce qu'on parlait, Karl Medjani, il commentait. Après, j'ai dit à Karl, Karl l'a dit, dis-leur quand t'es venu me voir là, quand t'es venu me voir à Monaco, sur le terrain, je parlais avec Walid. Tu te rappelles quand il parlait avec toi sur le terrain avant le match, je suis venu. Wallah, je m'en rappelle. Je suis venu, j'ai dit, ouais, ça se passe en Algérie, tu sais. Il m'a dit, ouais. Après, j'ai dit, vas-y, j'arrive bientôt là, Inch'Allah. Mais il devait se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui là? C'est un ouf lui. Qu'est-ce qu'il raconte ce tout petit maigrichon là? Non, mais la meilleure, c'est pas celle-là la meilleure. Mais dis-lui que t'as pris l'ascenseur. Non, la meilleure, c'est pas celle-là, Riyad. Ouais. Riyad, quand t'es arrivé en sélection. Ouais, c'est Mehdi Lassen, un jour, il lui dit quoi, Mehdi Lassen? Mehdi Lassen, Jamel Mesbah, il lui dit, tu sais, pour rigoler. Eh hey, mais frérot, mais en fait toi tu veux aller où en fait tu veux faire quoi? Il dit, hey, frère, un jour je vais jouer dans un bête de club. Et il dit, ah ouais? Et wallah, je me rappelle un jour on était au Qatar en stage. Je te rappelle, ils se foutaient de ma gueule parce qu'on était derrière. À Leicester. Et Leicester, ils allaient descendre. Ils restaient quoi? Ils restaient 7-8 matchs. Et tout le monde se foutait de sa gueule. Eh, hey, tu vas descendre. Eh, il n'y a pas de grand club, il n'y a rien du tout. Ils se maintiennent et la saison d'après, c'est là où vous êtes champion la saison d'après. Ouais. Et wallah qui leur disait, mais wallah que je vais jouer dans un club. Non mais toujours il était dans un club. Même moi, je me rappelle avec Bonnet. Boogie, il a plein d'anecdotes. Boogie, de ouf. Et Waf avec Bonnet, tu te rappelles? Bonnet, il disait quoi déjà avec? Il te vannait sur ta veste, t'avais une veste 4 saisons. 4 saisons, je la mettais tous les jours. Tous les jours, il disait, ouais. Johnny Placide aussi, il faisait le malin, Johnny Placide. Ouais. Après, quand le coach il venait, le week-end il mettait la liste comme ça contre le mur et il n'y avait pas ton nom. Tu pétais un câble. Je prenais mon sac, je dégageais en CFA. Tu parlais après lui rigoler. Tu disais, ouais, Kefta, tu te rappelles? Après, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit, t'inquiète, dans 2-3 ans, tu vas me regarder. Non, je dis, dans 2 ans, je suis plus riche que toi. Voilà, il disait, voilà, je voulais pas le dire parce que je non, me suis dit, non, mais peut-être la vérité, les fans ils ont besoin de savoir ça. Bah alors je la reformule. Alors, Alex dit... Bonnet, se foutait de ma gueule, ouais. Voilà, il a dit, t'as combien dans ton compte? Après, toi, t'as dit, ouais, mais on s'en fout et tout, je suis plus fort que toi. Après, il a dit, mais t'as même pas 1 million, parce qu'il avait 1 million à l'époque, lui. Il avait 1 million. Après, t'as dit, dans 2 ans, je suis plus riche que toi. Tu te rappelles après, quand t'as signé, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, envoie-lui un maillot. C'est mon gars, des fois, je lui parle. Ouais, voilà, c'est un beau. Mais il aimait bien chambrer quand même. Même Johnny aussi, il aimait bien faire ça, lui. Johnny avec ses gros doigts de pied, là. Waouh, Johnny, mais comment il était fort en futsal, tu te rappelles? Ouais, de fou, pour un gardien, voilà, il était vraiment... Là, pendant les...